Hey, salut à tous! Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma moto bécane type 40, première génération, que voici. Donc là, on est vraiment sur un modèle stock pur jus. Il s'agit vraiment bien des premières générations de type 40. Comment on reconnaît que c'est une type 40 première génération? Tout simplement par l'avant. Si on regarde bien, on voit à l'avant qu'on n'a pas de suspension. Et oui, regardez, à l'avant, on dirait un caddie. On retrouve la fourche ovoïde qu'on avait sur le caddie avec le petit phare comme ceci à l'avant et même le guidon. Fourche vraiment typique de la bicyclette. Et si on regarde bien, on a même des freins à patins. Mais il s'agit quand même bien d'une type 40 et en plus sans variateur. Donc le moteur, on est toujours sur un moteur à V7, 49,9 cm3 de temps, sans variateur. C'est-à-dire que le moteur ne recule pas quand on accélère, il n'y a déjà pas de ressort, c'est un moteur fixe. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas à cette mobilette de pouvoir atteindre des vitesses d'environ 45 km/h. Donc plus généralement, on est bien sur un type 40, mais on n'a pas la plaque mine ici. En effet, sur cette version, la plaque est ici directement sur le moteur comme on trouvait à l'époque et c'est bien marqué type 40. Alors faut savoir que le premier modèle de type 40 est sorti dans les années 1970. Et ici il s'agit d'un modèle de 69. Alors on va me dire, mais s'il est sorti qu'en 70, pourquoi il est de 69? Alors je pense que tout simplement ce modèle là est bien sorti en 1970. Mais on a récupéré des pièces qui existaient sur les petits caddies, ou voilà des carburateurs qui étaient déjà existants, et on est venu la mettre dessus. Et moi si je contrôle mes jantes et mon carbu, j'ai bien l'année 69 hein. C'était pas une brêle qui avait été reconstruite, elle était bien d'époque hein. Je l'ai acheté à une personne qui l'avait de famille, c'était celle de sa mère. Donc voilà, on est sûr du coup, elle n'a pas été trafiquée. Et donc voilà, on a des indications qui me disent 69. Le premier modèle est sorti en 70. Voilà, on sait qu'on a toujours 6 mois d'écart, des fois en fonction des numérotations de pièces et de leur mise en place sur une série. Mais donc voilà, on est bien sur la toute première génération de type 40. Comme les types 40 qui suivront par la suite, elle est bien composée de deux tôles embouties qui sont soudées ici par le milieu, qui permettent ici un réservoir d'une contenance de 3,6 litres. Et tout ça pour un poids total en ordre de marche d'environ 40 kg. Alors deux trois petits détails que je vais vous refaire part. Ici on a bien l'autocollant à l'avant et à l'arrière du constructeur, du revendeur. L'avant est encore un pneu d'origine. On les reconnaît, surtout ceux qui ont la tache jaune comme ça, mais là il est tout craquelé. Hein. Celui-là je l'ai vraiment laissé, mais il est dans son jus. Et autre petit détail que j'aime bien, c'est ici la petite sacoche qui est floquée moto bécane. Hein. Qui est sous la selle et qui est grise, alors que la selle est noire, mais du coup ça ressort bien avec les carters qui sont blancs et gris d'origine. Pour les deux roues de pneus, il s'agit bien de 17 pouces, et ici, regardez, même là, elle est présente, la pompe d'époque, voilà, qui était cachée dessous, il y a encore le petit carton pour pas abîmer, elle a légèrement pris la rouille, mais voilà, elle est encore là, donc ça c'est plutôt cool, hein, ces accessoires d'habitude qu'on rajoute, qu'on a du mal à trouver, et pour le coup, celle-ci, elle est tout équipée. On va essayer de la remettre, et voilà. Donc voilà, vraiment une belle machine dans son jus comme je les aime. Et un dernier petit détail, c'est ici la sonnette qui est floquée aussi moto bécane. Voilà, le bruit de l'époque, ça c'est génial. Et je vous avoue, je suis content parce que ça fait des années qu'elle est dans ma collection aussi. Je vous l'avais jamais présentée, ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le variateur, donc ça marche très bien. Ça prend un peu de temps à se lancer, on le verra dans la prochaine vidéo, on la testera. Mais vous verrez qu'une fois que c'est lancé, ça marche super fort. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker ma vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!